Salut à tous et à toutes, ici Shakuler, comment allez-vous? Moi je vais bien, on se retrouve pour la partie numéro X de The Legend of Zelda Breath of the Wild où nous allons attaquer, je crois qu'on est à la 27 ou 28, je suis plus sûr, où nous allons attaquer ce donjon. Donc entre deux épisodes, je suis parti m'acheter des flèches normales, comme ceci. D'ailleurs elles sont en feu, puisque nous sommes dans une zone de feu. Parce que j'ai vu qu'il y avait des yeux à l'intérieur et je voulais... Pourquoi il fait si sombre? Ok. Pourquoi il fait si sombre? Ok. Encore un coffre. Une torche. Bon, il va falloir que j'ai une arme. Quelle arme que j'ai qui m'intéresse pas? Ça, jeter. Voilà. Je me demande s'il n'y a pas moyen que je jette une autre arme. Genre celui-là. Et que je prenne ça. Bon. J'ai pris que 15 flèches, j'espère que ce sera suffisant parce que sinon nous sommes dans la panade. Y'a rien ici, y'a rien ici. Oh, ça éteint ma torche. J'ai pas assez d'emplacement pour les arcs. On va jeter. C'est un arc de chevalier que j'ai là-dedans. On va acheter rien du tout en fait. Par contre, je suis un peu déçu que ça m'ait coupé ma torche. Oh, le coffre. Encore une fois, j'éteins ma torche en mode je suis débile. Des flèches, ça c'est rentable. Et des flèches, c'est extrêmement rentable ce que je viens d'avoir là. C'est rentable mais infiniment. Ah, une vis. Est-ce que ça va allumer la machine? Peut-être que oui. Parce que là, il fait un peu sombre pour moi. Mais entre parenthèses, je viens de penser que j'ai mangé beaucoup de nourriture et il doit y avoir un boss à la fin de ce donjon. Incliné à 90 degrés. Ok. T'as réussi à choper la carte de la créature divine. Super. Alors regarde-la bien. Les trucs qui brillent, là,
C'est les terminaux de contrôle. À toi de tous les activer. Y a que comme ça qu'on pourra reprendre le contrôle de Rudania. Je sais que tu me décevras pas, petit gars. Ah, merci. Ah, de la lumière, c'est infini. Donc... En route... Alors, j'ai vu qu'il y avait un renfoncement ici. Il n'y a rien. Toi, je t'avais pas vu. Le coffre qui a failli me tomber dessus. Les flèches de glace, rentables aussi. Est-ce que je peux grimper les murs? Non, je ne peux pas. D'accord. D'accord. Ça, ça doit se flamber. C'est pas ça que je voulais faire, mais... Ah, j'ai plus de flèches de feu. Ok, j'ai une idée. Si ce jeu est bien fait. Voilà. Et du coup... Là on a une sphère. Ok, j'ai une idée. Du coup si je fais moins et que je fais... Je regarde par là-bas. Je fais incliner à 90 degrés, exécuter. La porte qui est là-haut va s'ouvrir et va me faire tomber quelque chose dessus. Je vais m'écarter. Elle ne s'ouvre pas. Très bien. Très très bien. Oula, je suis sur le côté. J'ai un coffre ici. C'est un peu bizarre. Alors. On va continuer. Oup, 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 oup. C'est pas ça qui prend feu, c'est ma torche. Que je vais ranger pour ça. Voilà. Voilà. Bon. Et là, je suis ici. Ok. Dégage. En général, s'il y a un monstre comme ça, il y en a d'autres qui vont pas tarder. Ça, je suppose qu'il faut une flamme bleue. Ok. On va les détruire, hein. Comme ça on sera tranquille. Ok. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est un terminal de contrôle. Peut-être que c'est le terminal final. Ok. Non. Du coup, ça c'est le terminal final. Ok. Ok. Du coup, par rapport à où je suis, il y en a un sur la crête. Est-ce que j'ai un moyen rapide de la grimper? Ici? Est-ce que déjà ça peut s'escalader? Non. Alors. Est-ce que la technique serait pas de... Je peux pas l'incliner dans le sens. D'accord, on va se mettre de ce côté-là du coup. Exécuté. En route. Alors que ça fait bizarre.
Oula. Cœur antique, ça c'est bien ça. Ok. Il y a une bouche ici. Je peux pas grimper? Bon, j'ai une idée. De toute façon. Là. Voilà. Donc nous avons accès au premier terminal. Il reste plus que 4 terminaux de contrôle. Tu tiens le bon bout ? Donc les terminaux suivants sont tous à l'intérieur. Ok, je suis pas tombé, nickel. Parce que je voulais atterrir ici pour ce coffre. Arc de chevalier, ça en fait des arcs de chevalier tout ça. Du coup, je suis ici. Il y en a un en face de moi. Là-haut. Ok. On aurait un par ici. C'est un coffre ça. Ouais, un coffre à l'ouvert. Ok, il y en a un quelque part là-dedans, mais je ne vois pas. Reviens normal. On va aller vérifier la porte qui est tout là-haut. On va pouvoir s'ouvrir manuellement. Je ne sais pas. Ah, je sais. Elle est en métal. Voilà. Terminaux de contrôle. Traîne pas. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Quand on court, ça range la flamme. Fait tomber quelque chose. Un coffre. C'est pas intéressant. Ok. 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 Jusque là. Oh. On va revenir sur le côté. Voilà, la boule est activée. Plus court. De là, il faut que je retourne comme ça.
ça va la faire couler jusqu'en bas. Ok. Et de là, il faut que je la remette droite. Je crois que c'est le moyen pour ouvrir la porte. Ou pas. Où est la balle? La balle, elle est là. Est-ce que je peux... Hop là. Ok. Ça va nous ouvrir la porte, je parie. Ça va nous amener à ce terminal. Ce qui est magnifique dans l'état actuel. Il reste plus que deux terminaux de contrôle. Plus que deux. Bon, c'est bien, on avance bien. Donc, on va retourner la plateforme. Donc tout ça, ça a été fait. Il nous reste un au niveau de l'entrée, ici. Il y en aurait un ici, mais en dessous. Voilà. Genre là, je vois une plateforme. Je sais pas si c'était un chemin pour y aller. Ça m'a pas l'air. Non, on va se re-téléporter. Je pense. Comment je regarde sortir? J'espère que la monstre va pas réapparaître. Il devrait pas, normalement c'est une de 100 qu'il faut réapparaître la monstre. On va se re-téléporter à l'intérieur parce que je crois que je me suis trouvé de côté. Parce que la rotation sur le côté doit me permettre d'accéder à l'intérieur de la queue. Ok. On y retourne. Ici, se téléporter. Désolé du temps perdu, non? Mais je crois que si je sautais dans la lave, dans tous les cas, tout ce que je faisais, c'était perdre des queues. Du coup, on va éviter quand même. Ok, là on a un chemin un peu plus naturel, mais sans plus en fait. Alexandre, déjà sur toi. D'accord. Et l'autre il est vers ici. Hein. Et si. Bon, on va essayer. Si je fais. La rotation sur le côté. Ah. Ok. Je suis dans quel sens? Ok. Juste à côté. Il est ici. Mais comment j'accède à ici? Ça c'est la question qu'elle est bonne. Je soupçonnais le marteau d'avoir quelque chose. Je pense que c'est pas un coffre, mais ça marche.
Une vie sans tic. C'est trop. Ah d'accord. Je comprends le mécanisme maintenant. J'avais du mal à voir comment bouger. Ok. En fait, tout son corps tourne et grimpe le mur ici. Ok. Hop là. Du coup, le fait que je dise qu'il y a un chemin sur le côté était pipoté puisqu'il est en bas ce chemin. Du coup, ici. Ici, ici. Il y a une porte là. Ah oh. C'est malin, c'est futé. Voilà. Voilà. C'est comme ça qu'on y accède. Là, nous avons accès presque. De là, nous avons accès à ceci. Ah. Donc de là, nous avons accès. je te jure. C'est ça qu'il faut faire. On va grimper ça. Ça va donner que niveau. Et voilà. Ça devient une porte. Puis on s'en sert de la mécanique du donjon. Et ça devient un sol. Il reste plus qu'un seul terminal de contrôle. C'est le dernier, petit gars. Ils sont pas salauds. Ok. Ok, il m'en manque un. Je sais pas si je vais tout faire ici. Alors ça c'est servi en place. Le dernier, il est au fond. Donc il est là-haut. Ici. Bon, c'est facile en fait. Et simplement ceci. Hop. Ah. Voilà. Tu vois le gros truc qui brille sur ta carte? Eh ben c'est là. Mais relâche pas ta garde pour autant. Eh bien dans le prochain épisode, nous allons détruire le boss de ce donjon, j'espère, sans trop se faire démonter. Ce qui risque très fortement d'arriver.
Donc j'espère que ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un j'aime si vous avez aimé, de vous abonner pour rester pour les dernières actualités sur la chaîne, et de commenter si vous avez quelque chose à me dire ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, je lis absolument tout. Et voilà. Sur ce, je vous dis ciao à tous, à la prochaine, et portez-vous bien. Allez, bye bye!